Bon, 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 il est l'heure d'aller voir la comtesse, le dernier boss que nous ferons sur ce jeu. On a 4 invitations, ça devrait être suffisant. Je pense qu'en en 4 runs, ça devrait être bon. Au pire, on ira en chercher une autre entre-temps. Mais voilà, on va commencer le donjon de la comtesse et on verra jusqu'où ça nous mène. Torche pour déstresser, toujours. On va être bien. Mercifully, the morbid encounter resolved itself in my favor, and I set to work pursuing degeneracy in its most decadent forms. The air pulsed with anticipation as I revealed the unnatural terroir of the house vintage. But my exultation was cut short as the attending gentry turned upon themselves in an orgy of indescribable frenzy. A single drop of that forbidden tannin gifted me with a dizzying glimpse of the hibernating horror beneath my feet, and in that moment, I understood the terrible truth of the world. I stood reborn, molted by newfound knowledge, my head throbbing to the growing wine of winged vermin come to drink the tainted blood of the darkest dungeon. Even my untethered imagination dares not conceive of what effect the years spent submerged in toxic sludge may have had on her heteromorphic flesh. Ok, alors, les deux chemins mènent à peu près au même endroit. Je pense qu'il y aura peut-être un combat en moins en allant de ce côté-là. Rien d'exceptionnel. On voit qu'elle, elle est déjà en besoin de sang. C'est parti. Ils ont pas plus de PV que quand on les rencontre dans les autres donjons. Plutôt pas mal. Confidence surges as the enemy crumbles. Sur lui. Voilà. Their formation is broken. Maintain the offensive. A trifling victory, but a victory nonetheless. Thank you.
C'est gênant, ça. A dizzying blow to body and brain. Ah. Ah, impeccable. Il n'est pas étourdi, heureusement. Devastating blow. Masterfully executed. As the fiend falls, a faint hope blossoms. The slow death, unforeseen. Comme j'avais pas vraiment, vu que c'est mon seul bouffon, j'avais pas vraiment envie qu'il se prenne la malédiction de sang, donc je lui ai donné pas mal d'esquive, j'espère que ça sera suffisant. Jamais me soigner. De ce côté-là, il n'y a rien à part des combats. A momentary abatement. A decisive pummeling. The ground quakes. A time to perform beyond one's limits.
skin that cuts on its own. Ok, c'est bon. Il lui faudra un peu d'aide. On va déstresser. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Continue tranquillement. Boom. Decimated. This expedition at least promises success. Ça, on l'a déjà en plein de fois, mais... extraordinairement intéressant. Alors là, on revient sur nos pas, donc on continue en bas. On remet l'équipe en forme. Le critique qu'il nous fallait. Lui il est mort, lui je peux pas l'attaquer. Je vais pas enlever le malus juste pour un mec.
Est-ce que j'aimerais bien me soigner? On va voir si elle est en première. Ouais. Victories mount, so too will resistance. Y a que ça qu'on veut. Ok, le reste on s'en fiche. Et encore ça c'est vraiment parce que c'est beaucoup d'un coup. Ok, alors, deux chemins qui paraissent se rejoignent. Il y a une clé, par contre, qui se trouve à gauche. Les combats s'enchaînent plutôt bien, on a le bandit qui fait pas mal de critiques, on donne beaucoup de saignements, donc globalement ça se passe bien. Juste elle qui arrive jamais à assommer, mais elle a un petit voilà, 10% seulement, normalement ça devrait bien. Un petit malus. Les ripostes qui font vraiment mal. Lui il est fini mort. Une critique qui permet de le tuer au prochain tour. Lui il va sûrement se soigner du coup. Mais je le rattaque. Ah, dommage. Demande, il a quoi? Ouais, il a que 13%. Pas non plus énorme, mais du coup, il enchaîne les critiques. On est bien. Ok, on descend ici. La première clé, la clé jaune, se trouve juste là. Par principe, on les a amenés pour autant les utiliser. Ça me va. Ça me va très bien. Je fais un petit buff. Ringing ears.
Ça, ça faisait mal. Riposte, riposte. Ça va être pour deux tours, on va être obligé. Tiens, je me demande s'il se prend les deux ripostes d'un coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, il a pas réussi à mettre le seul moment. On va essayer de tuer lui. Ouais, du soin. Ça va, il fait pas très mal en riposte. Il faut absolument un peu de soin. Je vais lui mettre un bandage. Hop. Je fais du soin à tout le monde en fait. Je lui donnerai un peu de bouffe après. On s'en fiche. Tiens. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Et donc on va continuer par là. Pour ceux qui voudraient, moi je vais pas le faire, mais il faut savoir que à l'exact opposé, ici là, il y a un coffre pour récupérer, je pense, un trinket. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est à cet endroit-là, il y en a un à cet endroit-là. Et nous, on va rusher jusqu'au boss. Et voilà, la porte jaune. Bon, bon, bon. Cher lui, pas très cher même. Prendre son saignement, mais on va simplement l'enlever avec un bandage. Une heure en deux tours, on va se soigner, déstresser.
prochaine. De toute façon, elle n'arrivera pas à soigner. Donc autant soigner. D'abord tuer lui en premier. J'aime bien mettre du saignement sur les deux, mais le problème c'est que lui il fait apparaître des moustiques. Donc autant le tuer directement. D'autant que ça esquive, j'ai bien fait. Sourcils finalement. Alors lui pour attaquer lui sur. Le truc c'est qu'il va pas lui mettre beaucoup, je préfère. Hop, on va sur le coup. Énorme. Push on to the task's end. Toucher les ruines pleines de sang, c'est plein de maladies. Deux à tuer rapidement là. Lui qui est mal placé. Huh.
Impeccable. Allez, le bandit en premier. Et mince. A brilliant confluence of skill and purpose. Non. Lui meurt, mais pas lui. Je peux rien optimiser. Il a soif. Je le déstresse et il se prend un critique. Du coup, j'ai pas envie de le tuer. Mais j'ai pas le choix. On va éviter de faire trop tarder. Driven into the mud. Alors voilà, la porte jaune. Alors les deux embranchements là à gauche et à droite sont des cul-de-sac. Alors celui à droite il y a, c'est quoi déjà? Oui, il y a une porte bleue, mais la clé bleue on peut l'avoir qu'après avoir tué le boss. Et à gauche ça mène à un trésor. Même et un trésor et une libération d'un allié. Le boss, ce qui nous intéresse, c'est en bas. Qu'est-ce qui est bon? 90, 100. Allez. Oui, j'aimerais bien qu'il ait des stress, mais en même temps, lui fait monter le stress, donc faut l'abattre assez rapidement.
manqué. Très bien. Lui, il va se tuer tout seul. Ça sert à rien de toute façon. De toute façon, il est étourdi, il pourra pas se déstresser. Autant finir. Un coffre. Alors, les courtisanes sont les plus chiantes. Inspiration and improvement. Non, c'est pourri ça. Allez, j'espère qu'il... Voilà, il touche, c'est bon. Les coups critiques, hein. Y'en a marre. Merci le jeu. Est-ce que non, il est pas en dessous des 40%. Ce qui vend. Ouais, il y a toujours 83% de chance de. Et ben voilà, nickel. Hop. S'auto-tuer, on va profiter du tour pour déstresser. Pas de critique. Oh, deux flacons. C'est très bien, deux flacons. Ah, dommage, pas de... Pas de breloque, pas d'artefact. Alors, quel côté... Ça revient un peu au même. Ouais, dans ce sens-là. Ah, nickel, on va pouvoir... déstresser un coup. Eh ben, on va marcher. Carrément. Bon bah c'est parti. Exposed to a killing blow. How quickly the tide turns. Je sens que ça va être notre dernier combat. Alors,
essayer de les tuer à peu près tous en même temps. Ça, madame. Non, il faut pas faire ça du tout. Il va falloir vite tuer lui. Ok. Pas d'apparition de moustiques. Plutôt bien. C'est juste qu'au niveau du stress, ça fait mal. Ah. Oh, c'est relou ça. Lui pourra rien faire dans cette position. C'est très relou. Il va se prendre du stress encore. Il faut qu'il avance. Mais du coup, lui, il peut pas attaquer non plus. Ah, je vais passer mon temps à faire ça, hein. Je vais devoir passer. Je peux pas me permettre de re-reculer, ça servira à rien. Ça l'a pas stressé. Comme il l'a tué direct. Non. Pourquoi? Un peu plus comme ça. Ah, dommage. On a plus de riposte, on en profite. Possibilité de déstresser à chaque fois. Tiens, ils sont dans l'ordre. Such missteps are the exception, and not the rule. Et voilà, 100. Reeling, gasping, taken over the edge into madness. Non, tu vas revenir par là.
Stresser lui comme je, ça je pourrais le réutiliser tout de suite après. Ce sera très faible en stress. On va s'arrêter là. Ça fait quoi? Ça fait quasiment une heure qu'on est en train de tourner. On a bien avancé au niveau de la map. Donc on est voilà, on est ici, on a fait une grande partie quand même. Il faut encore descendre jusqu'à à peu près là pour récupérer la clé du boss. Et ensuite remonter jusqu'au boss qui est ici. Donc on sera pas très loin. Donc on devrait faire ça. Je pense que je ferai ça en 3 runs du coup. On fera une run et on s'arrêtera juste avant le boss. Histoire d'avoir des gars, comment dire, clean. Qui ont pas d'irrationalité ou ce genre de choses. De stress trop élevé. Qui soient en forme au niveau de PV. Et on fera une dernière run pour le boss. Et si ça se passe bien, potentiellement on ira ensuite chercher les autres clés, les trésors. On verra. On verra. Allez, à plus.